Caisse. 2000 pesetas en plus. Ok. Alors. Le coffre, on va vite le récupérer. Comme ça, on n'oublie pas notre coffre. Ici, ça donne quoi? 4000 balles de plus. Pas passer là, ok. Bon, par là, je peux pas passer. Ouais, mais là, je peux pas passer non plus. Ça ne se casse pas, ça, non. Tu vas voir que c'est un truc tout con à faire. Ouais, là il me détecte, là il me détecte. Mais attends une seconde. Ah non, si, je peux même pas aller par là déjà. Là, je peux pas avancer non plus. Il y a un truc, il y a un truc avec les. Alors, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Là, je peux pas monter, là, je peux pas monter, là, je peux pas monter. Attends, je vais essayer un truc. Là, je suis sûr de mourir si je passe. À moins. Ah non, là, je peux même pas avancer. Là, je peux pas aller là. Là, je peux pas monter. Il n'y a pas une échelle sur le côté? Là pour moi il pourrait aller là-dedans.
va le casser. Non. Parce que je me souviens qu'avant l'ancienne énigme, il y avait ça, un trait rouge qui devait mener sur cette foutue porte. Je vais faire péter le baril, je pense que ça m'avance à rien. Non. Parce que là, tu montes. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Ah bah là, si j'y vais, il me fusille. Hein. Je vois pas trop là. Alors écoutez, je sais pas bien ce que je vais faire. Mais j'essaie de trouver comment on passe à ce point-là. C'est sûrement un truc à la con. Que j'ai pas vu. Des fois. Alors. Comment ça fait? Donc, ok, il monte. Récupère les balles. Alors, il passe. Là, il n'y a rien. Ok, il ramasse. Oh, c'est tout con. Je suis vraiment un débile. Excusez-moi, mais je suis vraiment un débile. On va refaire la séquence de combat, j'ai trouvé. C'est tout bête. Bon, déjà. Hop, et d'un. Bon, notre ami Gigi là. Encore cette saloperie. Waouh, ok. Petit cadeau. Attention.
Je t'ai vu, t'es là-haut. On peut le laisser comme ça, à la limite, il gêne pas. De la petite ferraille en plus, je veux bien pour mon pistol. Une herbe rouge, ça c'est toujours bien. Mais j'aurai une autre herbe verte. Je ferai le nécessaire. Une grenade lourde, ça c'est toujours utile. Cartouche de pompe, ça c'est toujours très bien aussi. Donc il est très puissant notre pompe, ça c'est cool. Balle de pistolet, ça c'est encore mieux. Oh, te vois toi là-bas avec ta flamme. T'as un beau petit planqué toi. Parce que si je fais ça, je fais ça. Donc là, il y a le mur, je peux pas passer, on est d'accord. Mais je passe là. Je suis pas emmerdé. Là, je passe et logiquement, je peux passer. Et voilà. C'est tout con en fait. C'est moi qui ai pas cherché. Et je le reconnais. Excusez-moi. Et du coup, ah mais on est au-dessus en fait, on est... Et peut-être qu'on va trouver le trésor qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Oh non 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 non, oh non non non. Reste comme t'es mignon comme ça. J'aime pas. En plus, ça, c'est un nouveau truc avec les formes. Oh non. Oh non. Ah, t'es moche, toi. Tu m'avais pas manqué. Proche. Je hais ces têtes-là. Elles sont difficiles à contrôler, je trouve. Ouais, on augmente notre vie à fond. Je vais tout de suite chercher ce qu'il y a là. Alors, je vais cartographier un peu le coin. Donc là, il n'y a rien. Une caisse de la poudre et là on peut pas y aller, il n'y a pas d'accès, donc j'en conclus qu'il faut qu'on peut que monter. Et je suis sûr que le trésor il faut, ouais je sais. Ah oui, la fameuse phase de merde. Bon, on va essayer de la jouer discretos. Ah, pourquoi j'aime le remake? Les phases d'infiltration comme ça, des fois. En plus, je récupère 5 balles de pistolet.
Et tout bénef. Allez, encore du... Il y a des Espagnols, mais ils ont des bétonneuses. Vous êtes sûr que c'est pas des Portugais, messieurs dames? Bon, on en a dégommé plusieurs comme ça discrètement. Ça, c'est cool. Attends, je regarde dans l'angle. Il y a une herbe jaune par là. Bah écoute, tu sais quoi? On pourrait partir. On prépare un futur soin complet. Et je te fais le pari que je fais exploser le bidon. Ça va ouvrir une nouvelle zone. Bingo. Okay. Mais c'est énorme ça, non? Ah non. C'est un lynx doré. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Eh ben écoute, en plus on va pouvoir toujours le sortir. Voilà. Là, ça vaut l'investissement. Et on récupère notre deuxième trésor sur les 24 de l'île. Maintenant. On va essayer de continuer à avancer. Waouh, ok, ils ont des boucliers maintenant. Attention. Je vais tenter un truc. La grenade. Wow, wow, wow. Ah, lui, il est bien tombé. Alors, les boucliers de fer. C'est nouveau ça par rapport à l'original. Y a pas une échelle pour aller au-dessus? Non. On avait tout récupéré. Oui, et oui. Il y a encore des caisses là. Oh putain de merde. Tu t'es prêt pour le Némésis ou quoi? Suivant. Ok, toi, t'as voulu me chauffer. Olé. Oh, le pauvre. Allez, merci. T'es sérieux, mais avec une jambe tu bouges encore, mais quel chien tu vas. T'as bien lutté quand même, j'avoue. Moi je lui dis respect. Cartouches de bonbons qui reviennent, ça c'est cool. Aïe, bien joué. Mais il m'a tiré d'où? Je l'ai pas vu en fait. Ah, oui, ok, t'es là. T'es sérieux? Reste à terre. T'en relèves pas. Ah, viens, 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 viens. Oh, je peux faire ça aussi. Ah putain.
Oh non 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 non. Oh non 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 non. Reste comme t'es. Qu'il y a de l'équipement. Bon, il y a de l'or. Et en vrai, je viens de faire mes calculs, mais avec le lynx et ça, je suis quasiment au fusil à pompe exclusif là. Bon, j'essaie d'économiser mes balles de fusil. Je vais même en refaire un petit peu, on sait jamais. Tiens, faudrait peut-être que je rende aussi mes munitions de mitraillette. Une autre grotte, ok. Alors ça, quelque chose me dit qu'on approche d'une nouvelle zone. Oh, mais il y a du trésor en masse là. C'est là qu'est Ashley. Ouais, on se requête encore. Oh, je peux le shooter comme ça. Parfait. Une roquette. Eh, minute. Allez. Décidément, mais vous êtes combien au kilomètre carré pour vous transformer? Alors, il y a deux trésors dans le coin. Déjà, il y en a un là. Je pourrais ouvrir cette porte, tu crois? Ah, peut-être. Et il y en a un autre. Là. Une autre couronne. J'en ai déjà revendu une dans le château, mais là, est-ce que je pourrais la sortir, tu crois? Déjà. Voilà. Alors pourquoi je mets pas de rubis rouge pour le moment? Parce qu'il me faudrait un autre béret rouge. Et là, avec 5 couleurs différentes, j'aurais 100 000 pour la couronne. Et ça pourrait me permettre d'être peinard, quoi. Pour le moment, on va être sage, on va pas griller. Ah, je reconnais ce petit bruit familier. Les fameuses châtelains métalliques dont je parlais tout à l'heure, que on n'avait pas pu voir comme j'ai eu mon sel d'hier, mais là. C'est le 13e sur 13, donc ça veut dire qu'il y en a un par chapitre. Il a un petit son reconnaissable. Bon, écoute, hein, si tu me donnes des cartouches de pompe par-ci par-là, moi je suis preneur. Hein. Je vais pas pouvoir entrer par là. Il faut que je trouve un autre moyen. Tu m'étonnes. Donc là, on en a 3 sur les 24. Et franchement, le début de l'île, ok. Je peux refaire des mines ou pas? Je vais peut-être faire une petite grenade aveuglante, on sait jamais. Oh putain, j'ai repéré un truc là. Il y avait ça aussi dans l'original, mais le problème c'est. Ok. S'il y a une salle de surveillance. Il y a des gens ou pas?
Qu'est-ce que... Un bleu velours. Soit. Une sauvegarde. Bah écoute, on va sauvegarder tout de suite. Au moins, on est sûr de ne pas faire de conneries. Bon, je m'en fais un peu pour les deux morts, parce que franchement, c'était con. Venez, 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 c'est ça. Petit, petit, petit. Merci. Wow. Et plus con que moi, tu meurs. Balle de pompe, ça je dis oui. Ferraille, je dis oui. Y a pas une torche là, mon petit lion? Ok. Et là, on peut pas faire autre chose, hein, on est d'accord. Y a pas un petit objet qui traîne? Non. Tu me diras, avec les balles de pompe qu'on a récupérées en plus, ça fait déjà pas mal. Alors juste avant, j'ai vu qu'il y avait une échelle. Elle est où? J'essaie de voir ce qu'il y a là-haut. Il y avait un tonneau. Et du pognon. Bon, par contre, j'ai rechargé mon fusil. On va en avoir besoin ici. Ça fait qu'on a déjà récupéré 4 trésors. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Wow. Qu'est-ce qui lui arrive? J'aime pas ça du tout. Alors. Bon, il y a un truc qu'il faudra récupérer dans sa cellule, ok. Jolie roulade. Oignon. Ok. Suivant. Ça, c'est des nouveaux ennemis hein, qu'il y a de, dans le remake, ça. Aïe. Costaud, mon pote. Mais bon, j'ai des sprays. Je récupère des balles de pistolet. Bon, je suppose qu'il y a une zone à explorer. Ok. Je vais déjà prendre le temps d'explorer tout ça. Non, je peux pas y aller. Il faudra que je fasse le tour. Ça, c'est éliminé. La porte est bloquée. Dollar, oh punaise, 2000 pesetas. Il faut une carte. Une lecture de... Il y a une échelle. Il y a une échelle. Encore du pognon. Une herbe verte, ça c'est parfait pour notre soin, un petit super soin. Alors. Verrou niveau 3, il y a un trou dans le mur. Il y a la salle de surveillance.
je peux pas remonter. Là, il me faudra quelqu'un. Il me faudra Ashley pour plus tard, mais j'essaie de revoir un petit peu. Peut-être que j'ai coupé un truc. Attends, c'est quoi ça? Ah bah écoute. Des balles de pistolet. Ah, ils sont deux, attention. Merde, il m'a eu. Balle de... On se planque. Là, y a rien. Des balles de pistolet, c'est toujours bien, hein. Pas de notes, rien. Une caisse. Alors. Rien, rien, rien. Ah, c'est tonneau. Il y a beaucoup d'argent quand même. Hein. Mais j'aime pas quand c'est trop calme des fois. Quelque chose là. Ok, il y a un trésor de l'autre côté. C'est un bleu velours. Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans, cet imbécile? Non mais les gens ils savent plus où se foutre sans déconner. Un black bass, ça peut toujours servir. Ah, la pose est finie, je suppose. La viande là. Là il y a un marchand. Y a pas une petite save. Ah, il y a un trésor, je me disais bien. C'est une spinule. Alors, ça je peux revendre, ça je peux revendre. Je suis à 50 000. J'annonce. Merci. Alors, on va réparer ça. J'essaie d'y faire attention, d'accord. Alors, attends, je vais prendre un autre bleu velours en plus. Ah, ça c'est une valeur sûre. Une affaire bien conclue. Comme ça, moi derrière, je renforce mon gilet et je prends l'amélioration pour le fusil à pompe tout de suite. Pour la fin de partie. Eh bien, nous avons fait ce que nous pouvions pour cette arme. Traite-la avec tout le respect qu'elle mérite.
D'accord. Alors là, on va être pas mal. Hein. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite la poule, je vais la revendre, j'en ai plus besoin. Pas mal. Il va falloir aussi que j'économise pour l'extension de mallette, moi. Fais bonne route. Tonneau. Là, lui va dépoper. Hein. Il va déboîter avec son fond 1,5. Ça veut dire qu'en termes de puissance de feu, il est l'une des meilleures armes. Avec le magnum, bien sûr. Oh putain, il va y avoir des trucs à faire là. Je me suis recraft une petite grenade aveuglante. Peut-être m'en faire une deuxième, on sait jamais. Je peux pas aller par là, ok. Ah, ça c'est le début des emmerdes, les gars. Je me rappelle de cet endroit. On peut pas y aller. Pas y aller non plus. Lui qui risque cette porte. Ah non. Attends. Ah, il faut du courant peut-être. Alors c'est quoi ça? C'est pas du courant. Je me rappelle très bien, je crois savoir ce qui va me tomber dessus. Alors, notification du laboratoire, pathologiste Ernest Mounier. La demande de mise à jour de votre carte d'asset est approuvée par le chef du département. Veuillez apporter votre carte de niveau 1 en salle de dissection issue de la procédure de mise à jour indiquée dans la page suivante. Obtenez l'accréditation niveau 2 via la bande de réécriture dans la chambre froide et l'accréditation de niveau 3 via la bande de réécriture dans le labo d'incubation. Et nous, la permission responsable de chaque salle d'utiliser les bornes. Service administratif du bâtiment. Putain, je le sens, je sais ce qui va me tomber dessus, je reconnais bien cet endroit. Hein. Ces fameuses criques, les fameuses bébêtes là. Alors. Alors, ah bah oui. Voilà, le niveau 2, il ramène, et le 3. Hop. Comment ça, attends, il y a...
Et attends, il y a un truc à comprendre. Hop, le niveau 2, là, admettons. Ok. Accès autorisé, système restauré. Oh putain de merde. Ça, salle de dissection, ça, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, par contre, avant de faire mes conneries, je vais peut-être aller chercher ce qui me manque. Un spray. Un béryl. Attends, c'est un béryl rouge, ça. Et ben, il ira très bien avec ma couronne. Allez, bisous, 100 000 de plus. Poudre noire. Donc, il y a un autre trésor à aller chercher là, mais il va y avoir une saloperie qui va me tomber dessus. Alors, je vais tout de suite me préparer mes petites grenades flash. Putain. Quelle sorte d'expérience ils font ici? Je veux pas le savoir. Alors, note d'observation, le Regenador. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie, j'ai baptisé cette créature Regenerador. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. À moins que tous les parasites organiques dans son organisme soient éliminés, ces tissus peuvent se régénérer à l'infini. Ouais, il m'avait pas manqué. En observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leurs hôtes, presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle. Je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse. Très savoureux. J'ai informé mon collègue, monsieur je sais tout, de ma réussite, il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner dans mon carnet, je pensais qu'il serait impressionné, mais au lieu de ça, il a eu culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Cette idée bête un imbécile, j'ai tout sous contrôle. Date. Le sujet devenu fou s'est échappé de sa cuve cryogénérique, c'était moi l'imbécile. On va voir si on peut récupérer des petits trucs, non. C'est là la carte d'accès, hein. Ouais. Y a rien d'autre. Bon. Coucou. Alors vite, il faut que je récupère ce qu'il y a là-dedans. Ok, il est encore là. Il va pas me lâcher un. Un petit cadeau. Oh non, 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 non. Faut que je me barre de là, non. Aïe. Là je pourrais pas le buter normalement. Bah écoute. Vite, barre-toi. Wow. Wow. Ok, on l'a eu. Il fait flipper, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Il me faut la lunette. La lunette, je sais, elle est dans la chambre froide, ça j'en suis certain.
Là, je vais utiliser la carte de niveau 1. Oh là là, d'accord. Je vais éviter de toucher des sacs, on sait jamais. Oh oh. Là, on va voir la carte d'accès niveau 2. Oh oh. Et j'ai pas la lunette, je suis pas bien. En gros, ils s'en fichent. Il est là le trésor. Non, il est pas là le trésor. Alors, t'es où? Grouille. Ah non, bah elle est où cette foutue lunette thermique? Ok, carte d'accès niveau 2. Par contre, il faut que je trouve cette lunette, sinon je suis dans la... Dis-moi que ça suffit. Ah non, il m'en manque encore un, t'es sérieux? Pas la lunette thermique, je pourrais pas faire grand chose. Alors déjà un. Oh c'est bon. Vite vite. Oh le LE5 tu dis. Ok. Attends, j'ai pas la lunette thermique là. Vas-y, c'est bien. Non, là, y a rien. Elle est où cette foutue lunette de ces morts? Ouais, ok. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Cours. Faut que j'aille au levier. Ok. Oh là là, il va pas me lâcher, hein. Ok, pas de fusil. Alors, t'es quoi? T'es une mitraillette. Ok, bon, écoute, on va t'essayer, hein. Oh oui, bien sûr. Faut d'avoir la lunette thermique, on peut mettre tarif quand même.
C'est que ça saillit. De plus. De plus. Il y en a deux, ok. Merde, je suis mal, à moins que. Et un jeton d'argent en plus, ça c'est bien. Ah bah là on va refaire le plan de munitions de fusil, on se demande pourquoi tu vois. Ah oui c'est vrai, il faut un niveau 3 là. Ouais. Alors, la fuite du cobaye, lors d'une récente panne de courant, un cobaye sorti de sa stage cryogénique a détruit sa cure avant de s'échapper. Il a été maîtrisé au bout de 20 heures après avoir fait 7 morts et 19 blessés. L'une des victimes ainsi qu'un outil se trouve encore à l'intérieur du cobaye. Cet incident malheureux est dû à l'instabilité électrique. Ces générateurs obsolètes ne peuvent pas supporter la cadence intensive de nos expériences. La direction doit donner la priorité aux besoins des ingénieurs par rapport à ceux des chercheurs pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Oh là là, la lunette avec biocapteur. Alléluia mes frères. Et il y a un succès à faire encore là. C'est parti. Bon, il y a des Regenadores là. Il y en a forcément un qui doit avoir deux plagas proches l'une de l'autre. Oh attends, là il y a un shoot à faire. Allez, zou. Et on fait le succès de deux balles avec une seule. Deux parasites tués avec une seule balle. On va essayer d'optimiser nos tirs comme ça. Et deux pour le prix d'un encore. Oh, même ce truc est contrôlé par les parasites. Voilà. Merci, reste loin de toi. Maintenant, même avec ça, on peut l'aider boîte facile. Alors, est-ce qu'on peut tenter un tir latéral pour en zigouiller deux? Eh, là on peut les avoir. Hein. Merde, raté. Ouch. Je peux refabriquer d'autres... Non. On va vite courir pour être le plus loin possible de cette chose. Une grenade en plus, donc ça fait 3. Bon, le dernier. Comme ça, on n'en aura pas d'autres dans nos pattes, sans mauvais jeu de mots. Vite. Parfait, bouge pas. Une clé à molette, tiens.
La lunette là, je vais la garder. Le 5. Ça. Tu crois qu'on peut l'équiper de la lunette? Ouais, on peut l'équiper de la lunette avec biocapteur, d'accord. Ça peut être un combo intéressant contre cette nouvelle arme. Et là, j'aimerais équiper mon vieux Red 9. Et logiquement. Alors pourquoi ça me dit que ça ne marche pas? Elle est niveau. Ah non, elle est toujours niveau 2, ma carte, c'est pour ça. Là, je comprends mieux. On a buté tous les Regenas de reste, à moins qu'ils nous en pondent un. Faudrait une clé à molette. Voilà. Et là, il va nous réécrire ça à la carte de niveau 3. Oh merde. Quand c'est pas eux, décidément. Oh là. Ça va vous faire du bien une petite grenade, les mecs. Ouais, j'ai entendu, mais je suis un peu occupé, madame. T'es sérieux? Une balle, ça pue. Par contre, ça, je vais m'en servir là. Ah, t'es comme ça, toi. Ça y est, maintenant je peux libérer Ashley avec ça. C'est quoi ça? 5-10 balles de pistolet, je prends. Oh, il y a des caisses là, donc écoute, je vais garder mon fusil si il y a des Regenadors serait surprise qui spawn. Ok. Et normalement, j'ai rien oublié. Hein. Non, j'ai tout. Dis-moi que c'est la fin du chapitre, normalement, oui. Ah, il avait une deuxième dose. Tu vas t'en sortir. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage qu'ils auraient pu changer l'animation du pistolet selon ce que les clients avaient, quoi. Bon, bah c'est la fin de ce chapitre 13. Bon, il était un peu long, mais bon, c'était un peu voulu, on va dire. J'espère qu'il vous a plu quand même. Donc, on a battu pas mal de Regenas d'Ores. On a récupéré tous les trésors disponibles jusqu'à présent. Maintenant, le problème, c'est que Léon, il a son parasite qui continue à grandir aussi de son côté, hein, même s'il a été injecté plus tard. Et du côté d'Ashley, il a réussi à ralentir un petit peu. Pour combien de temps ça, on ne sait pas.
Alors, 2 en 1, ils ont une chèpe. J'espère que ça vous a plu tout le monde. Donc, on a mis 1h15, 63,5 tués, 2 morts, 80% de précision. Ça va. Je vous dis à la prochaine YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.